La femme a été piégée par un mur invisible. Elle est coincée dans les Alpes. Elle peut voir tout et tout le monde à l'extérieur du mur. Mais à sa grande horreur, les deux vieillards à l'extérieur ne bougent pas du tout. Ils bougent toujours de la même façon. S'il n'y avait pas le bruit de l'eau qui coule, elle a cru que le temps était suspendu. La femme tape désespérément sur le mur. Elle n'a cessé de crier. Mais elle avait beau crier fort, les gens à l'extérieur ne l'entendaient pas. L'atmosphère étrange qui régnait faisait trembler la femme. Elle respirait difficilement et semblait terrifiée. Elle regardait fixement devant elle. Puis elle a lentement reculé. Elle appela son chien et partit. Un mois s'est bientôt écoulé. Pendant ce mois, la femme a couru vérifier chaque jour. Mais le mur invisible ne disparaissait jamais. Et son ami n'est jamais réapparu. Un jour, la femme remarqua soudain un bruit provenant de l'extérieur de la porte. Cela la fit paniquer. Elle ouvrit la porte avec précaution. Que s'est-il passé? La surface du mur invisible a rétréci. Il bloquait la porte. La femme était anéantie. Elle n'arrêtait pas de crier à tue-tête. Comme si elle voulait évacuer ses émotions de cette façon. Mais l'instant d'après, la femme s'est soudain réveillée dans son lit. Ce n'était donc qu'un rêve. Elle s'est levée et a ouvert la porte. Et tendit lentement la main pour toucher. Heureusement.